Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, j'ai reçu une artiste américaine que j'écoute depuis des années. J'écoute ses chansons sur mon téléphone, dans ma voiture, partout. Je suis très content qu'elle soit là. Robin McHale, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, et vous ? Ça va très bien. Merci. Donc, on va faire l'interview en français, en anglais. Enfin, on va se parler d'accord. Comme on peut. Bah, je vais essayer de parler en français. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et parler de votre style musical ? Mon style, je suis entrée de la soul, du jazz, un peu de gospel, un peu de blues, un peu éclectique. Mais moi, j'aime ça, de mélanger tous les styles dans ma musique. Nous sommes ici au studio de la scène. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise en studio pour créer ou sur scène avec le public ? Bah, j'aime bien le studio, mais je suis plus à l'aise à la scène en live. Pour moi, j'ai grandi sur la scène depuis que j'avais 3 ans, 4 ans. Donc pour moi, c'est comme ma maison, avec le public, avec l'ambiance live. J'aime bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des artistes qui vous accompagnent, que vous écoutez régulièrement, qui font partie de votre vie ? Oui, tout à fait. Danny Hathaway, Layla Hathaway, his daughter, Gladys Knight, vers le jazz, plus Nina Simone, of course Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, et beaucoup des artistes plus modernes aussi. Et j'aime bien, comme j'ai dit, avec ma musique, j'aime bien d'écouter la musique éclectique. Donc, ça change tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album que j'ai entre les mains ? Oui, Melodic Canvas, c'est mon nouvel album. C'est un album qui est plus intimiste, plus... il y a moins dans la production, dans le sens de... C'est pas grand, c'est quelque chose de plus simple avec les instruments acoustiques, le piano, le contrebasse, juste avec le percussion. Je n'ai fait pas avec une batteur. Donc ça me donne la chance de chanter plus des textures dans ma voix. Et pour mes chansons, j'ai écrit beaucoup des chansons, most, les chansons sur l'album. Et ça me donne la chance aussi de chanter les histoires comme un songwriter, mais dans le style de la soul et du jazz. Donc, j'ai fait en fait aussi la production. La production musique, j'ai fait le maquette, le CD aussi, et ça me donne, c'est un grand plaisir de faire tout ça, parce que dans ma vie, j'aime bien de faire les choses créatives avec mes mains, donc avec ce projet, j'ai fait tout qui correspond avec la musique, le visuel et l'audio, ça reste ensemble. Alors maintenant, les amis, on va écouter Robin McHale en live pour un très très joli piano-voix. En acoustique avec Cédric, Robin McHale en live. She's already made. She hides behind the shadows.
useless then. Oh, Lila, this isn't love. Stop wasting your life on money and fame when all you really need is just a dream you can hold on to. It hurts so bad it shows. And Lila, don't you know Merci.